et bienvenue dans la GG Cams Live pour une nouvelle vidéo. Et là on se retrouve sous les cocotiers, mais en même temps on a l'habitude, hein, on se retrouve en Guadeloupe les amis. On est venu déjà l'année dernière à la même période. Mais ouais, c'est vrai que là on a beaucoup voyagé cette année. Entre et le voilà. Brésil, donc sur la chaîne là il y a pas mal de palmiers en ce moment. Ouais, et du coup bah on commence l'année pas mal sous les cocotiers encore une fois en Guadeloupe. Donc on va bien se régaler. Là on est juste arrivé hier soir, donc tout le matos c'est là, le camion est derrière, c'est le même que l'année dernière, donc on va refaire le même démontage que l'année dernière si vous vous rappelez, pour faire rentrer tout ça. Il y a du vent, les palmiers ils commencent à faire du bruit, donc ça va être cool. On est avec nos parents comme l'année dernière, là vous pouvez voir bébé la star qui est juste derrière en canapé, qui se répare pour sa session incroyable. À suivre sur Instagram les aventures. Ouais, il y a des reels qui vont arriver de malade comme d'habitude. Et puis on va vite fait commencer, comme ça on va faire pas mal d'épisodes tous les mercredis, donc on se dit autant vous montrer vite fait tout ce qu'on a emmené en Guadeloupe, comme ça vous allez voir ce qu'il y aura sur la chaîne. Et puis après on se retrouvera peut-être sur l'eau pour une petite session. Ouais. Alors là on va commencer par le board bag spécial surf. Du coup comme son nom l'indique, il y a du surf, mais bon il y a aussi des wings, parce que des wings il y en a dans tous les bags. Il y en a partout. Et là en surf on a pris les singles, c'est ceux qu'on a l'habitude de rider. C'est le même shape qu'on avait l'année dernière et franchement il est trop cool parce que ça passe pour les grosses vagues et les petites vagues. Et on aime bien rider en single, ça fait un bon style, un bon flow. Donc on a repris les mêmes planches. Allez là ça part pour un nouveau bag, on va découvrir ce qu'il y a dedans parce qu'ils se ressemblent tous. Hop. Ah ouais celui-là c'est plutôt le bag pour le matos de kite. Donc là on a pris les ailes, les twin tips, les harnais. Il y a aussi de la wing hein, parce que des wings comme j'ai dit il y en a dans tous les sacs. Alors en board on a la Twins Again, on l'aime bien pour le freestyle. Donc c'est la poison LTD. Franchement pour tout ce qui est freestyle, front loop, back loop, c'est génial. Pour les gros gaiters frère qu'on est, c'est parfait. Tac, encore beaucoup de wings. Des mat foils. Alors là on a une beluga. Tac. C'est notamment celle qu'on avait au Maroc quand on a fait notre podium tous les deux. Voilà. 55 litres, passe-partout, c'est vraiment une planche qu'on kiffe. Wing encore, on l'a dit. Là, ça va plutôt être notre petite planche de wing ou nos surfoils, donc 35 litres, Beluga 140. Voilà. C'est des planches qu'on vous a pas trop présentées en vidéo présentation matos et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait fait un petit peu au début de la chaîne. Et donc, dites-nous si ça vous dit qu'on recommence, que ce soit sur des kites, des foils, des wings, sur ces planches et sur d'autres planches qu'on va vous sortir là. Dites-nous en commentaire, nous, ça nous ferait bien kiffer, surtout que là, on est au chaud, ça fait plaisir. Hop. Et là, on en a une dernière ici. Ah non, on a deux dernières. On a celle-là. Ah, là, les gars, il y a une nouveauté. Donc là, il y a le mat de foil. Qui est nouveau aussi. Qui est nouveau, un nouveau mât. Et là voilà, planche gonflable, une 80 litres, 147 cm. C'est vraiment une planche gonflable haut de gamme. Et on l'a pour tester, pour vous montrer de nos ressentis et tout ça. Voilà. Ouais, parce que du coup, il y a la Air Beluga qui existait déjà. Ouais. Et celle-là, c'est la Air Beluga Pro. Donc vraiment fait pour faire, normalement, pour faire du freestyle, des figures et tout. Et du coup, bah, vous avez vu, on avait plein de planches, plein de wings. Et regardez l'épaisseur que ça prend dans la housse. Donc c'est hyper pratique. Et là, on a la même ici en 70 litres. Hop, donc ça prend vraiment pas de place. Et là, hop, là même en 70 litres, 145 cm. Pareil, c'est vraiment des trucs, je pense, qu'on va tester, voir comment ça navigue, et surtout vous les présenter en vidéo, parce que c'est un truc vraiment qui est, pour nous, qui semble hyper bien au niveau de transport, fragilité et performance. Là, c'est la housse un petit peu plus dédiée à Bébé la Star. Donc ça, c'est des ailes de foil, c'est tout nouveau, ça va arriver l'année prochaine. Et là, c'est The Board pour Bébé la Star. Alors aussi on a L de kite pour Bébé la Star. Voilà, hop, des nouvelles, on pourra vous les montrer en vidéo aussi. Hop, le casque forward whip bien sûr. Et là la planche, la Beluga 140 litres. Air Beluga. La Air Beluga 200 cm 140 litres. Donc ça c'est vraiment une planche trop cool pour débuter et apprendre à de mieux en mieux naviguer, à faire ses manœuvres. On a aussi en cours à Juju Cam School. Voilà, donc pareil, hein, ça prend vraiment pas de place. C'est plié dans une housse, trop pratique. Et je pense qu'il y a moyen qu'on vous la présente en vidéo. Dites-nous si ça vous intéresse. Mais c'est le gonflable, ça va arriver fort. Bon voilà, on vous a à peu près tout présenté ce qu'on avait dans les bagues. Maintenant, on va tout monter et puis aller sur le spot, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a du vent. Là, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà, qu'est-ce que tu nous fais, bébé? Bah, comme l'année dernière, j'enlève la petite paroi pour que je puisse avoir la visibilité sur le matériel derrière. Interne, la visibilité interne. Maintenant devant ça, du coup, on va mettre un petit fauteuil pour Cam, parce qu'il n'y a que 3 places devant et on est 4. Oh, ah, Cam, qu'est-ce qui se passe ici? On t'installe ton petit fauteuil là. Ah, bien confortable.
Oh bébé. Oh. Ça se passe? Ça se passe bien. Putain. Réunis entre collègues. Ouais. Non, c'est bon. Yeah. Et voilà, c'est bébé la bricole. Bien sûr, ça ne sera pas abîmé, ça sera remis. Exactement, ça sera remis dans l'état. Mieux que prévu même, mieux ouais. Qu'avant. Bon allez, maintenant qu'on a tout préparé, on va sur le spot. Bon la team, après avoir bien déballé le matos, on vous avoue qu'on a déjà fait quelques sessions, mais on n'a pas filmé parce que plaisir avant tout. Ouais, bah, c'est ça, on voulait profiter un peu d'arriver. Donc là, on se retrouve pour une session de Wingfoil. On va vous emmener avec nous. On va essayer de vous filmer un peu le mieux possible. Le vent, il monte, il descend, c'est pas facile. Mais bah écoutez, il fait beau, l'eau est chaude. Allez, je te demande le peuple. L'eau est bleue. On va profiter. Allez, ça part. Let's go. Until the top started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on the M, I need one of those. Sniffing on the M like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Need to know, nah, you don't need to know. How we got up here, you don't need to know. Hear me, but I keep you on a need to know. Came up from the bottom, started from the floor. Working 10 to 10 and a 10 to 4. Under my eyes on my mommy floor. Always know the plan, I know dummy knows. Always met myself, never had to fake. Had to cut off friends, had to lose a weight. Took a couple L's, charge it to the game. Since I switched my lane, never been the same. Riding to the top, started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on the M, I need one of those. Sniffing on the M like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Need to know, nah, you don't need to know. How we got up here, you don't need to know. Hit me, but I keep you on a need to know. 95, down on 95. Upset down to Charlotte just to see the guys. But I flex and I never lie. Keep the comments, but I let them slide. Dealt with the pain, whole lot of. Riding to the top, started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Need to know. Sniffing on a M, I need one of them. Sniffing on a M, I got a cold. Riding to the top, started from the floor. How we got up here, you don't need to know. Sniffing on a M, I need one of those. Sniffing on a M, like I got a cold. Need to know, nah, you don't need to know. Need to know, nah, you don't need to know. Bon la team, la session c'est trop cool, un petit peu light mais franchement bah c'est le vent chaud des Caraïbes hein, tu connais. Mais du coup c'était cool, on a fait des petits tricks, c'est bien balayé dans le lagon. Puis là bah c'est baignade dans la piscine avec Bébé la star. Oh la vague, on vient qu'il y a eu dans la piscine.